Yo les gars, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous montrer une activité qui va vous permettre de gagner de l'argent et de l'RP en illimité. Donc il faut savoir que cette activité elle est 100% solo, donc vous n'avez pas besoin d'inviter de potes pour la lancer. Mais par contre si vous invitez des gens ou des amis dans cette activité, vous allez gagner plus d'argent que si vous la lancez en solo. Donc comme d'hab les gars, vous savez que j'aime bien vous présenter des activités AFK quand elles sortent, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais la vidéo. Sinon juste avant de commencer, j'aimerais vous parler comme d'hab du site Easy Looting. Donc c'est un site qui va vous permettre d'acheter des services de boost, des paquets modés, des tenues modées et bien sûr des comptes modés. Donc quand je parle de services de boost, je parle bien sûr d'argent et d'RP que vous pouvez acheter sur le site pour un prix super réduit. Si vous comptez passer une petite commande sur le site Easy Looting, les gars n'hésitez pas à utiliser le code promo WhatsUpTeam, ça vous permettrait d'avoir 10% de réduction sur votre commande. Faut savoir que le site il est 100% fiable les gars, vous me connaissez, je me permettrai pas de vous présenter un site qui marche pas. Et en plus de ça, les services ils sont dispo sur toutes les plateformes, donc PS4, Xbox et PC. Donc il y a aussi d'ailleurs PS5, donc il y en a vraiment pour tout le monde. En tout cas, tous ceux qui iront faire un petit tour sur le site Easy Looting, les gars, sachez que vous êtes des bons, je vous mets le lien du site en description. Et aussi au passage, je vous mets le lien de mon Discord si jamais vous voulez trouver des gens avec qui faire des glitches ou des braquages, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Et sans plus attendre, je vous laisse directement avec la vidéo. Donc pour commencer les refs, ça va être super simple, il va falloir se rendre dans la description de la vidéo et là vous allez voir que j'ai mis le lien d'une activité. Donc il va falloir cliquer sur le lien, ça va vous rediriger vers le Rockstar Social Club et ensuite il va falloir ajouter l'activité en favori. Donc pour ça il y aura un petit bouton vert, donc il va falloir juste cliquer dessus, c'est super simple. Une fois l'activité ajoutée en favori, il va juste les gars falloir relancer votre jeu, donc peu importe la plateforme, il va falloir relancer votre jeu parce que sinon l'activité elle va pas s'afficher. Et une fois qu'on aura fait tout ça, on va pouvoir directement du coup lancer l'activité. Donc pour ça, on va faire start en ligne, activité, jeu activité, favori. Ensuite, on va aller dans les épreuves de survie et vous allez voir que c'est celle qui s'appelle Easy Money avec plein de Y. Donc on va directement pouvoir la lancer. Une fois dans le lobby de l'activité, là les paramètres on s'en fout un peu mais vous pouvez acheter des balles si vous le souhaitez, enfin vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Donc ensuite on va les confirmer et là vous allez voir qu'en fait on peut lancer la mission en solo. Mais il faut savoir qu'en fait plus vous allez inviter de gens dans la mission et plus vous allez gagner d'argent et d'RP. Donc moi pour la vidéo les refs je vais le faire en solo mais si vous avez des potes à inviter, bah n'hésitez pas, comme ça vous allez gagner un maximum d'argent. Quand vous êtes dans l'activité, là il y aura à peu près 15-20 secondes à attendre, donc pendant ce temps les gars ramassez des munitions, enfin c'est gratuit donc n'hésitez pas à le faire. Et ensuite il va falloir se rendre juste à côté des PNJ qui vont se faire exploser tout seul, donc c'est juste ici. Donc les gars mettez-vous à peu près dans la zone avec de l'herbe, sinon en fait les grenades elles vont pas se déclencher, mais pas trop près non plus pour pas se faire exploser par les grenades. Donc là vous allez voir qu'en fait on a vraiment rien à faire, donc la seule chose qu'on a besoin de faire en fait c'est de mettre un élastique entre nos joysticks pour que notre personnage il bouge comme ça tout seul. Donc ça va nous permettre en fait de pas se faire kick de l'activité pour inactivité. Donc il y en a certains d'entre vous par contre qui m'ont dit en commentaire qu'ils se faisaient quand même kick en mettant l'élastique. Donc là la technique c'est tout simplement de se munir du pistolet alien avec les munitions illimitées. Et vous allez caler en fait l'élastique sur R2 pour que votre perso y tire en continu comme ça. Et là normalement vous allez pas vous faire kick si jamais vous faites kick en mettant l'élastique entre les joysticks. Donc moi par exemple les refs je sais que je me fais pas kick avec la technique où on met l'élastique entre les joysticks. Mais si vous c'est le cas n'hésitez pas à vous munir de l'alien gun et ensuite de tirer comme ça en continu et ça va pas vous kick du coup. Donc les frérots on a déjà fini la première vague, là on enchaîne avec la deuxième. Donc pour ce qui est des tarifs de l'activité vous allez gagner au bout de 20 vagues parce que oui dans l'activité il y a 20 vagues donc il faut finir 20 vagues. Vous allez gagner 64 000 $ et 5 000 RP, donc sachant que l'activité elle dure à peu près 15 minutes, vous allez pouvoir du coup la relancer 4 fois par heure et du coup ça va vous faire du 240 000 à peu près et du 20 000 RP, donc 240 000 $ et 20 000 RP. Maintenant les refs, la technique pour gagner un maximum d'argent avec cette activité c'est tout simplement de créer une liste avec l'activité qui se met plein de fois dans la liste. Donc en fait en créant cette liste vous allez du coup, enfin l'activité du coup elle va se relancer toute seule. Ça veut dire que vous pouvez la lancer par exemple pendant la nuit ou l'après-midi, je sais pas pendant que vous dormez ou que vous faites quelque chose l'après-midi. Et l'activité elle va se relancer toute seule sans que vous ayez rien à faire. Donc vous avez juste à caler l'élastique et ensuite attendre que l'activité se finisse et se relance toute seule. Bref en tout cas les gars la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de l'astuce et de la vidéo en général.